'cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every heartbeat. Les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo matériel dessin sur Wish partie 2. Et je vous ai montré un petit peu le matériel dans ma vidéo sur les masques sans le tester ou très vite fait, et justement dans cette vidéo on va revenir sur tout le matériel dessin sur Wish. Je vais vous dire mon avis sur tout le matériel et ce que je vous conseille le plus. Alors il y a le micro qui cache. Alors c'est simple, j'ai presque tout ce qu'on peut commander sur Wish dans le dessin, et je vais tout tester dans cette vidéo. Du coup les amis, cette vidéo est sponsorisée par Wish, et en particulier une certaine catégorie de Wish. Comme vous voyez, ce que je porte sur moi, c'est un haut Nike que j'ai acheté sur Wish. Et il y a encore que très peu de gens qui savent que sur Wish on peut acheter des vraies marques. Il y a une catégorie certifiée qui va vous mettre que les marques authentiques. Et du coup c'est l'objet de ce partenariat, c'est pour vous dire qu'il existe sur Wish une catégorie où vous pouvez avoir les vraies marques authentifiées. Et je vous ferai peut-être passer à l'écran le site Wish pour vous montrer où faut cliquer pour justement filtrer et avoir les marques authentifiées. Donc moi pour cette vidéo j'ai eu la possibilité de choisir quelques articles gratuitement, dont justement ce haut Nike que j'aime vraiment beaucoup. J'ai également pris deux pulls Nike, je vous montre ça tout de suite. Je me suis pris ce petit pull Nike que j'aime beaucoup aussi. La petite étiquette ici. Voilà, donc encore une fois ce sont des marques certifiées sur Wish. L'avantage c'est quoi? C'est qu'on peut trouver justement tous ces articles bien moins cher que sur d'autres plateformes. Je me suis pris ce pull Nike également, donc c'est un pull noir Nike. Voilà. Et je me suis pris aussi trois parfums, Dior, Calvin Klein et Guess. Donc voilà, pour ceux qui ne savaient pas, on peut avoir des vraies marques sur Wish et bien moins cher. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Je vous mets bien sûr les liens en description. Alors sinon, revenons-en au dessin. On va tester justement le matériel de dessin qu'on peut trouver sur Wish. Je ressors mon gros rouleau de feutre à alcool. Alors ça m'a pris énormément de temps à faire. En plus, j'ai essayé de faire un dégradé du jaune. Ensuite, je suis passé au orange, rouge, rose, bleu, bleu, turquoise, turquoise, vert, vert, vert foncé. Ensuite j'ai mis les tons marron puis les tons gris. Et du coup dans cette vidéo on va tester énormément de matériel dessin qu'on peut trouver sur Wish. Je vais vous donner mon avis à chaque fois. Il y a un bouchon qui s'est barré, va retrouver maintenant, il va sur quel feutre. Et voilà, on se retrouve avec tout le matériel que je vais tester dans cette vidéo. Il y a pas mal de trucs que vous avez déjà vu. Alors le petit stylo spinner, on va tester un petit peu toute cette petite gomme what the fuck. J'ai réservé un petit truc très sympa que je vais faire avec ça. Les petites toiles.
là-dessus sur cette petite toile avec ses feutres peinture. Là, du coup, j'ai réalisé cette petite peinture. Bon, j'ai rien fait de fou, hein. Forcément, c'est une petite toile, ça m'a pris quelques minutes. Ce sont également des feutres peinture. Ça va être vraiment pour rajouter des petites traces de feutre peinture par-dessus le feutre à alcool, mais c'est surtout le blanc qui me sera utile pour tout ce qui sera, bien sûr, éclairage. Ok, on va continuer avec ces trois feutres. Alors, ces trois feutres-là, ce sont des feutres avec de l'encre invisible que vous pouvez ensuite voir grâce à cette lampe-là. Là, je pense que je vais utiliser ces trois feutres sur mes imprimés qui sont là. Et j'en profite pour vous dire que tous ceux qui veulent refaire le même fond que moi, vous le pouvez. Tous mes imprimés, vous les avez en description dans ma boutique. Et tous mes tutos de mes pixel art, vous les avez sur ma chaîne secondaire. Voilà, laissez-moi un petit commentaire avec le message caché que j'ai inscrit. Donc voilà, ces petits stylos plutôt sympas, mais c'est plus pour le fun qu'autre chose. Et maintenant, je vais tester mon petit stylo 3D. Seeing monsters at your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream. Till our last breath, every heartbeat. Et voilà pour mon petit virus, maintenant je vous emmène pour tester les feutres que vous avez vus en miniature ainsi que ces liners que j'ai achetés chez Wish, donc c'est de les Sharpie avec un bord fin et un bord plus épais. Ouais, honnêtement je me sens pas de rajouter le dernier.
Et voilà les amis, j'ai réalisé du coup deux petits pixel art en utilisant les charpies de chez Wish ainsi que les feutres à alcool de chez Wish. C'est juste histoire de les avoir retestés dans cette vidéo, mais pour ceux qui me suivent, vous le savez que je valide déjà ces deux produits. Ça fait partie de mes feutres d'ancrage préférés, surtout pour ce style de dessin. Et les feutres à alcool de chez Wish, ça reste les moins chers, on peut les trouver jusqu'à 20 centimes unité, donc ça défie toute concurrence niveau prix. Pour les petits budgets, ça reste la référence. D'ailleurs, les deux petits pixel art, vous les avez bien sûr sur ma chaîne secondaire en tuto. Et puis voilà, je pense vous avoir un petit peu tout testé dans cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, moi je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao tout le monde.